Eh bien bonjour à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur un jeu plutôt rigolo, c'est Nuclear Throne. Donc c'est parti, donc on va jouer en normal. Voilà, donc j'ai testé un peu vite fait, donc du coup j'ai débloqué un autre personnage. Mais de base vous avez soit celui-là, soit celui-là. Sachant qu'ils ont tous des compétences particulières, et maintenant moi je suis là apparemment. Get more armo, max HP, max HP. Enfin bref, on va prendre fiche. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on peut débloquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages également à débloquer, et vous allez voir, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, vous êtes dans... Donc là, je me déplace pas parce que j'en ai pas besoin, mais... Donc, avec ce personnage, on a 8 points de vie. On a également... les munitions à gérer. Donc, il y a des adversaires qui peuvent nous tirer dessus, comme vous pouvez de le voir à l'instant. Et bien évidemment, il y a des adversaires qui vont être bien plus costauds que d'autres. Ensuite, voilà, on a des... Ok, j'ai eu un shotgun. Bon, on va le tester, on va voir ce qu'il fait. Ah oui, d'accord. Ouais, il tire tout seul, ça c'est un peu relou. Donc voilà, niveau 1 passé, donc les premiers niveaux sont assez simplistes. Alors, mort melee range, impact... Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est pas en français. Somme qui régénérate HP, ça peut être cool. On va prendre ça. Alors faut se méfier, hein, y a des trucs. Y a des sales bêtes qui peuvent être vraiment mauvaises. Alors. On va prendre ça, et ça c'est quoi? Ok, ça c'est nice. Ça c'est quoi? Sorte de pompe... Non, on va prendre un... Oh! L'arbalète. Ah, ou pas en fait. Ouais, parce qu'elle met quand même pas mal de temps à recharger. Ah, par contre, elle peut taper plusieurs ennemis en même temps. Ouais, non, on va plutôt prendre ça. Avec le shotgun, ça ira très bien, ça fera l'affaire. Alors bien sûr, les petits trucs verts, en fait, c'est un peu comme de l'XP. Donc là, je pense qu'on va prendre le gros calibre. Non, 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 non. Ok, on va faire ça. Hop. J'ai lâché le gros calibre. C'est quoi ça? Ok, arme corps à corps. Je préfère pas. On va garder... le shotgun. Oh, c'est quoi ça? Wow. Il a l'air excité celui-là. Wow. Oh la vache. On a déjà plus que 5 HP. Alors, faut pas croire, hein. Ce jeu est plutôt difficile. C'est con parce que on l'a tué et il nous a tué aussi. On va reprendre. Ah, par contre, on reprend au niveau 1. Par contre, ce qui me plaît bien dans le jeu, c'est que voilà, on n'est jamais, c'est jamais le même, même niveau. Enfin, les niveaux se ressemblent si vous voulez, mais c'est jamais la même configuration.
on va pas forcément trouver les mêmes ennemis à chaque fois. Ah merde, j'avais pas vu. Ok, bon bah là j'ai merdé grave. J'ai pris toutes les tous les dégâts du scorpion. Alors, voici Glin. On va prendre ça parce que ça régénère les points de vie comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, d'accord. Ça fait mal, hein? Ah bah ça commence très mal. Ah ouais, je perds 3 points de vie si je me fais toucher par eux là. Ouais, quand même. On va éviter quoi. Elle est bien cette arme là. Elle est très bien cette arme. Alors par contre, je sais pas pourquoi il tire tout seul. Mais ça c'est un peu relou, je vous le cache pas. Voilà, là je clique pas et il tire. Alors, c'est un peu chiant, parce que vu qu'on est limité niveau munitions, c'est un peu relou. Ah oh, putain, je peux même pas l'attendre. Ah donc, on vient de passer niveau 2. Donc là il va nous demander, voilà. Science, open, extra, shiny, spawn. Non, on va prendre ça, la régénération des PV. Là, le gros. Ok. Bon, on va essayer de prendre un autre personnage. Cristal max HP. Et là, ils mettent max. On va se prendre celui-là. On va tester. On verra bien ce qu'il a de plus que les autres. Ah, il a que 2 points de vie, lui. Ah ouais, max HP, c'est ça qu'ils appellent max HP. Ah bah voilà. Ah non, c'est trop chaud. On va tester le cristal, du coup. Let's go. Ah, 10 points de vie. Ah, c'est bien mieux. Ah, ça, on va économiser ça. Grenade, moi j'aime bien, ça me plaît. Apparemment chaque personnage a des armes différentes. Non, bon ça c'est le corps à corps, on s'en fout. Eh, vous avez vu, ils enlèvent 3 points de vie hein, quand ils nous touchent, c'est quand même chaud. Sachant que tout à l'heure avec l'autre personnage on en avait 8. Le jeu est simpliste en fait, hein. Niveau graphique, tout ça, c'est pas génial, hein. Y a bien mieux. Mais par contre, c'est quoi ça? Pourquoi j'arrive pas à le détruire? Attends, on va changer. Voilà. Comme ça au moins c'est détruit. Ça, on sait qu'il y a de la saloperie dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Non, corps à corps. Non, pas faire pas.
quand on voit les créatures qui existent dans le jeu. Aïe. Shotgun, oui. On va le prendre. Alors, on n'a plus que 4 HP. Alors, shotgun, c'est bien. Full HP, un son armo. Attention, c'est bien. Les ennemis HP. On va se foutre ça. Hein. Full HP, comme ça au moins. T'es bloqué. Erreur qui peut coûter cher. C'est ça. Ah, il y a SMG. Ok. Si tu pouvais crever maintenant, ça m'arrangerait. Oh yes, on l'a eu, les gens. Voilà. Le gros bourrin de base, c'est pas hyper précis ça quand même, hein. Faut pas faire autant le shotgun. Alors qu'est-ce qu'ils appellent le pop gun? Ah bah, on n'a plus le shotgun. Ok. Back to one. On va prendre ça, ça ressemble à notre personnage, donc on va prendre ça. Ah! Là, on voit pas grand chose. Pourquoi tu tires tout seul, camarade? Il va croire qu'il y a des ennemis, mais quand même. Faut savoir. Ah, bah shotgun. Bah non, du coup, ça c'est très bien, on va le garder. Putain, le moindre petit coin de mur nous gêne. Hein. Ah. On n'a plus de munitions. Mais le problème, c'est qu'il tire tout seul aussi, donc... forcément, c'est un peu emmerdant. Alors, je sais pas si vous avez vu comme moi, mais là, voilà, on va employer les grands moyens. Bon, bah ça va là. ça pas dire rien. Ah merde! Ah bâtard! C'était un coffre piège. Ah ouais, le jeu est fourbe. Bazooka. Waouh. Attends, bouge pas. On va tester. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est... chose est relativement radicale. Ah d'accord, ils peuvent spawn ailleurs. Une difficulté supplémentaire. J'ai plus de balles. D'accord. Bon bah voilà les amis, on s'est encore fait défoncer. Par contre on a débloqué 2 personnages. Alors, est-ce que... je sais pas à quoi ça sert, c'est... ah, c'est des skins, ah... d'accord, bah on a 2 nouveaux personnages, voilà. Bon bah écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère quand même que le jeu vous aura plu. S'il vous intéresse, il est disponible sur Steam.
Donc si vous voulez d'autres vidéos pareil sur le jeu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.